Bonjour, Didier Frappé, je suis le directeur du Jérôme Casino de Briançon. Je soutiens le projet Cité des Arts parce que même en étant une enseigne majeure de la ville de Briançon, d'une part, c'est un ensemble, hein, il faut que tout le monde vive et il faut que chacun contribue à faire vivre les uns et les autres, que ce soit sur l'aspect économique, mais également sur tous les autres aspects, attractivité, intérêt culturel. C'est important que ce projet avance parce qu'il contribuera au développement de l'ensemble et non pas seulement de grandes entreprises, mais également de tous les commerçants locaux, tous les artistes. Et je crois que c'est aussi une opportunité aux artistes locaux de se faire connaître, de faire connaître leur savoir-faire. Et ça, c'est encore quelque chose de très bien. Il y a eu un projet d'urbanisation du centre-ville de Briançon. La cité Vauban est un complément, est un atout pour la ville de Briançon, en plus de ce projet d'urbanisation. Il faut que cette cité, elle vive, d'une part parce qu'elle le mérite, parce que c'est un écrin magnifique. Et je crois que c'est vraiment complémentaire à tout ce qui peut se passer aujourd'hui sur Briançon. Il faut que cet écrin, qui le mérite, vive non pas seulement pendant les deux saisons d'hiver et d'été, mais que ça puisse vivre également toute l'année. C'est un écrin magnifique pour accueillir les artistes, l'artisanat, la culture. Alors, quand vous vous promenez dans la cité Vauban, et je sais que vous y allez en famille, donc que vous inspire le fait que vous trouvez la présence de plus en plus de rideaux fermés? Qu'est-ce que ça m'inspire? Moi, je trouve que la cité Vauban, il y a des commerces, il y a l'hôtellerie, le commerce est bien. Commerce et l'hôtellerie, c'est très bien. Commerce, hôtellerie, tourisme, c'est également très bien. Par contre, avec de la culture et de l'art en plus, ce serait merveilleux. Je pense que ce serait vraiment merveilleux. Merveilleux parce que, déjà, c'est merveilleux pour tous les acteurs, c'est-à-dire que ce soit les artistes, que ce soit les créateurs, les artisans, mais également les commerçants qui sont sur place, les hôteliers. Mais c'est également merveilleux pour ceux à qui c'est destiné, c'est-à-dire les touristes, les résidents, les adultes, les enfants. Je crois que vraiment c'est quelque chose à développer pour faire vivre tout le monde. Et c'est quelque chose qui créera une certaine émulation. Il n'y aura pas seulement les commerces ou les hôteliers, il y aura les commerces, les hôteliers, la culture, les artistes, ça créera une vraie émulation. Pouvez-vous nous parler de l'attractivité touristique sur les quatre saisons, votre vision que vous avez de ce territoire pour Briançon? Que Briançon vit avec ses deux saisons, hiver et été, et ça c'est un atout magnifique pour cette ville de Briançon. Sûr qu'en dehors de ces deux saisons, c'est beaucoup plus calme, et je crois que d'avoir des projets qui vont permettre, qui aideront, en tout cas qui contribueront à ce que la ville de Briançon vive aussi en dehors de ces fortes saisonnalités été et hiver, c'est très bien pour la ville de Briançon. Que représente la cité Vauban pour vous? La cité Vauban est un endroit magnifique, c'est un endroit unique et magnifique, et je crois que c'est un très bel écrin pour pouvoir développer l'art, l'artisanat et la culture. C'est un endroit qui est magnifique pour accueillir toute cette partie de notre vie quotidienne. Des métiers d'art, de la culture, de l'art. Inspire le fait que voilà, derrière tout un grand projet de développement économique touristique, on est ensemble. Bah, je crois que c'est merveilleux, hein. C'est merveilleux parce que de retrouver autant d'acteurs qui soutiennent ce projet-là, on ne se connaît pas forcément tous, mais là on se retrouve tous derrière une cause et on comprend d'une part l'intérêt qu'il peut y avoir pour la ville de Briançon, d'autre part l'atout que peut représenter la cité Vauban pour la ville de Briançon et pour tout ce qui peut être développé à travers cette cité. Puis au final, l'intérêt commun de tous les acteurs locaux, on voit bien que tout le monde est mobilisé.